Krampus. En 1975, Logan vivait avec toute sa famille dans la ville de Bologne, en Italie. C'était la période de Noël. Toute la ville était décorée et se préparait aux célébrations de Noël. Logan décorait également sa maison pour se préparer à Noël. Il installait des lumières sur le toit de la maison lorsque son fils Johnny, âgé de 10 ans, et sa fille Mia, âgée de 12 ans, sortirent en courant de la maison et commencèrent à courir autour de l'échelle sur laquelle Logan se tenait. Logan commença à perdre l'équilibre. Arrêtez! Ne faites pas de bêtises! Quelqu'un pourrait être blessé! En négligeant Logan, Mia et Johnny commencèrent à se poursuivre l'un l'autre. Johnny poussa Mia et elle tomba sur l'échelle. Logan perdit l'équilibre et tomba de l'échelle. Johnny et Mia rirent et frappèrent dans leurs mains, tandis que leur père tombait au sol. Papa est tombé! Papa est tombé! Wouhou! Comme c'est drôle! Papa est tombé! En entendant l'agitation, Hélène, la femme de Logan, sortit et réprimanda Mia et Johnny. Les gars! Combien de fois je vous ai dit de ne pas être si méchants? Regardez ce que vous avez fait! Alors qu'Hélène grondait Mia et Johnny, ils se regardèrent l'un l'autre et commencèrent à taquiner Hélène en faisant des grimaces. « Comment osez-vous tous les deux? Je vais vous enfermer dans le grenier, puis Krampus viendra et il vous punira tous les deux !» Pour Johnny et Mia, c'était la première fois qu'ils entendaient le nom du Krampus. Ils furent surpris. « Qui est Krampus, maman ?» Logan se releva du sol, nettoya ses vêtements et commença à leur parler du Krampus. Krampus ressemble à un terrible animal démoniaque et redoutable. Il erre dans la ville pendant Noël. Et s'il voit un vilain enfant, il le punit. Et si l'enfant est vraiment méchant, il l'emmène avec lui. Mia et Johnny se regardèrent et éclatèrent de rire. Papa, tu as juste inventé ça pour qu'on ne soit pas vilain, hein? C'était une bonne histoire. Mais nous ne cesserons pas nos farces, n'est-ce pas, Johnny? Exactement, ma sœur. Nous allons être encore plus vilains. Johnny ôta la couverture posée sur le canapé et se mit à sauter dessus. Hélène et Logan étaient très en colère contre les enfants. Les enfants ne cessaient de faire du bruit toute la journée. La veille de Noël, la ville entière était en fête. Un enfant se cachait au bord de la route alors qu'une femme passait par là, en transportant de nombreux paquets. Alors qu'elle s'approchait de l'enfant, celui-ci lui fit peur et elle tomba avec tous ses cartons. L'enfant applaudit, rit et s'enfuit. Un étrange animal géant regardait tout cela. Ses yeux devinrent rouges de colère. L'enfant arriva en courant près d'un terrain et commença à jouer avec des pierres posées sur le sol. Il vit une ombre devant lui. Il leva la tête vers la silhouette et se mit à trembler. Les pierres tombèrent de sa main. Il prit la fuite en courant, mais tomba sur le sol. Krampus se tenait devant lui. Krampus aiguisa ses ongles et saisit l'épaule de l'enfant et la pressa. L'enfant cria très fort et Krampus disparut. À la maison, Logan réprimandait Johnny et Mia. « Combien de fois te l'ai-je dit, Johnny? Pourquoi fais-tu de telles bêtises ?» Je n'ai rien fait, papa. Ma sœur a cassé le verre. Non, papa, il ment. C'est lui qui a cassé le verre. Ça suffit. J'en ai assez de vous deux. Logan les attrapa tous les deux et les emmena dans le grenier. Maintenant, vous êtes punis et vous ne devez pas quitter cette pièce, compris? Papa, ne dis pas à Krampus que tu as fait son travail à sa place. Krampus vous punira tous les deux maintenant. Logan referma la porte et s'en alla. Mia et Johnny se regardèrent avec rage. « C'est entièrement de ta faute! Tu as cassé le verre et papa m'a enfermé avec toi! Tu m'as effrayé et le verre est tombé de ma main, compris ?» Johnny tira violemment les cheveux de Mia. « Aïe! Ok! Bien, je comprends !» Ils commençaient tous les deux à se battre. Krampus regardait la maison de Logan. Johnny et Mia se battaient
et il pouvait le voir dans son esprit. Il courut vers la maison de Logan et le mur. Il regardait par la fenêtre et voyait Johnny et Mia se battre. Ses yeux devinrent rouges et il disparut, puis réapparut directement dans la pièce. Mia et Johnny regardaient Krampus en se battant et devinrent terrifiés. « Comment allez-vous, mes vilains enfants ?»« Krampus !»« Oui, je suis Krampus !»« Vous avez tous les deux été très vilains !» Vous maltraitez tout le monde. Vous méritez une punition. En entendant cela, Mia et Johnny commençaient à pleurer et tentaient de s'enfuir. Mais la porte était fermée à clé. Ils tapaient tous les deux bruyamment sur la porte, suppliant de leur venir en aide. Papa, ouvre la porte, Krampus va nous tuer. Papa, nous ne ferons plus rien de mal dorénavant. S'il te plaît, laisse-nous sortir. Hélène et Logan étaient surpris de les entendre frapper à la porte. Ces enfants sont si vilains maintenant, ils inventent des histoires pour pouvoir sortir. Ils doivent être punis. C'est le seul moyen pour qu'ils apprennent la leçon. Dans la pièce, Krampus riait en se tenant devant les enfants. Tous deux tremblaient après avoir vu sa forme énorme, ses cornes grandes et pointues. Ses yeux rouges qui brillaient. Il avait des cheveux blancs sur tout le corps. Il se rapprochait de Mia et Johnny. Pardonne-nous, Krampus! Nous ne ferons plus jamais de bêtises à désormais. Je ne pardonne pas. Je châtie seulement. Comme ça, il n'y aura plus de vilains enfants sur Terre. Mia essayait de s'enfuir, mais Krampus formait une cage autour de Mia et l'emprisonnait à l'intérieur. Il y avait des épines dans la cage. Aussitôt que Mia agrippait les barreaux, ses mains étaient transpercées par les épines et du sang commençait à couler de ses mains. « S'il vous plaît, laissez ma sœur partir !» Krampus attrapa Johnny et le suspendit la tête en bas par les pieds. Johnny pleurait en étant suspendu la tête en bas. Krampus se rapprochait de son visage. Il allongea sa queue, attacha Johnny et commença à sauter. Johnny était attaché à sa queue et il le balançait dans les airs en respirant de plus en plus vite. Il pleurait à chaudes larmes. Krampus arrêta soudainement, sortit sa langue et commença à lécher le visage de Johnny. « Tu t'amuses bien, petit ?»« Johnny s'évanouit de peur. Son corps présentait de nombreuses blessures. De l'autre côté de la pièce, Mia pleurait dans sa cage. « Maintenant, si jamais l'un d'entre vous pense encore à faire des bêtises, je vous emmène tous les deux avec moi, compris ?»« Oui, pardonne-nous !» Krampus cassa la fenêtre, sauta par la fenêtre, s'enfuit et disparut. Hélène et Logan ouvraient la porte de la chambre et étaient sous le choc. Johnny était étendu, blessé, sur le sol, alors que Mia grelottait dans un coin. Johnny, Mia, qui a fait tout ça ? Mia répondit en frémissant. C'est Krampus qui a fait ça, maman. Il va nous tuer. Il va revenir. Il nous prendra tous les deux. Il a dit qu'il reviendrait. Logan et Hélène se regardaient avec étonnement. Tous deux avaient entendu des histoires sur Krampus, mais n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Johnny et Mia n'étaient plus jamais vilains après cette nuit. Ils vécurent tous les deux dans la même pièce et passèrent toute la journée assis au même endroit. Logan et Hélène essayèrent très fort de leur faire oublier ce jour. Mais Mia et Johnny ne purent jamais oublier le jour où ils reçurent la visite de Krampus. La fin.